Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour ce live LinkedIn Société Générale, consacré à un sujet central aujourd'hui dans un monde qui se numérise universellement, la présence des femmes dans l'IT. Et sur ce sujet, la filière informatique du groupe Société Générale s'est engagée à tenir un objectif de représentation à minima de 30% de femmes et de 30% de profils internationaux sur ces postes à horizon 2025. Alors, ça, c'est des chiffres, hein, les chiffres et ces ambitions, c'est une chose, mais pour y arriver, les actes en sont une autre. Et c'est ce dont nous allons aujourd'hui parler ensemble durant 45 minutes sur ce live LinkedIn. Nous allons voir comment, pratiquement, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le domaine de l'IT. Et pour cela, j'ai quatre invités à mes côtés aujourd'hui que vous voyez en vignette. Nous allons commencer par Sylvie. Sylvie Clémeau, bonjour. Vous êtes responsable du SIRH et du SI des ressources du groupe. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Alain Voimant. Alain Voimant, vous êtes DSI des fondations digitales et des fonctions de pilotage du groupe Société Générale. Et vous êtes aussi sponsor de la diversité au sein de la direction des ressources et de la transformation numérique du groupe. Bonjour Alain. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Et pour finir, Sofita Shanmugavadivel, vous êtes Big Data Engineer et Scientist pour la direction informatique des réseaux France, qui développe les solutions numériques pour Société Générale en France, Crédit du Nord et la Banque Privée en France. Bonjour Sofita. Bonjour à toutes et à tous. Et puis je disais qu'il y avait quatre invités, c'est pas moi le quatrième, c'est vous. Vous qui êtes en train de nous regarder là de l'autre côté de votre écran, sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, sur LinkedIn. Merci à vous de nous rejoindre, merci à vous d'être là. Puisque vous nous regardez, vous faites aussi partie de la conversation. Et donc pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit juste de réagir. Vous avez envie de dire quelque chose, et puis ça vous fait penser à quelque chose qu'on est en train de vous raconter. Vous avez une question à poser aux invités, à mes invités qui sont là. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement dans le petit champ qui est dévolu à cela à l'écran. Et je me ferai votre porte-parole. Je me ferai oui, votre porte-parole auprès de mes invités pour vous poser vos questions et vos réactions. Et on va commencer justement, parce que j'ai une première question à vous poser, à poser à mes trois invités qui sont là aujourd'hui, Sylvie, Alain et Sofita. Question très simple pour vous, limite provocatrice, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de femmes dans l'IT? Alors, Damien, je vais prendre cette première question. On a besoin de plus de femmes parce que déjà, c'est un sujet de performance. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que des équipes plus mixtes et des équipes avec plus de diversité sont plus performantes. Le deuxième sujet pour nous, c'est un sujet de. On sert des partenaires internes où il y a beaucoup de femmes. On sert bien évidemment, la banque sert des clients aussi, il y a beaucoup de femmes. Et donc, on pense que pour bien servir ces populations-là, il faut aussi qu'on porte cette mixité, cette diversité en interne. Et le troisième sujet, je pense que les femmes représentent un vivier de ressources et de talents. Et ça serait quand même embêtant de s'en priver, alors qu'on est à la recherche de talents tous les jours dans l'IT. Et donc, c'est un vrai enjeu pour nous. Sylvie ou Sofita, est-ce que vous avez envie de réagir à cette question sur la pourquoi avoir plus de femmes aujourd'hui dans la DSI? Ouais, pas tout à fait exactement cette question-là, mais pas loin. Effectivement, les femmes, c'est 50% de la population terrestre. Les qualités pour faire un bon informaticien ne sont pas des qualités masculines ou féminines, sont des qualités humaines, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison que les femmes ne soient pas plus présentes dans l'informatique, effectivement. Alors justement, c'est ce qu'on va voir ensemble de manière très concrète, comment arriver à inciter, à faire en sorte que tout ça se développe et que les bonnes pratiques se mettent en place. Justement, aujourd'hui, de manière très générale, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut inciter des femmes à rejoindre une filière SI comme celle de Société Générale? Moi, je pense que la première des choses, enfin, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de créer vraiment un environnement où les femmes se sentent bien, se sentent libres d'évoluer, d'exercer leur métier, de n'avoir aucun frein dans leur évolution. Et par cette action-là, je pense que derrière, les femmes communiquent, expliquent l'environnement dans lequel elles vivent, et donc elles attirent d'autres femmes. Donc, c'est vraiment pour moi un enjeu déjà d'attirer les femmes dans l'IT via créer cet environnement où elles vont vraiment s'épanouir.
Alors justement, je vous l'ai dit, hein, on prend des questions et des réactions au fil de l'eau. Justement, ici, on n'attend pas la fin, vous savez, on n'est pas dans une conférence, dans une conversation. Une question qui nous vient de Claire, qui nous dit, quel lien y a-t-il entre la parité? Alors peut-être déjà, on va peut-être se mettre d'accord si on parle de parité ou pas, mais quel lien y a-t-il entre parité, s'il y en a un, de sexe et rentabilité? Est-ce que c'est le sujet? Alors, en ce qui nous concerne, enfin, dans l'informatique, cette notion de rentabilité est un petit peu compliquée, en tout cas dans une informatique comme la nôtre, puisque nous, on crée des solutions, on maintient des solutions qui sont ensuite utilisées par les métiers pour gagner de l'argent. Donc, pour nous, la rentabilité est une notion qui est un peu compliquée à adresser. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, alors, au-delà de la parité, la diversité au sens large, ben, contribue à réfléchir différemment. Il y a beaucoup d'études sur le sujet et je suis pas sachante, mais c'est établi que à partir du moment où on travaille avec des gens qui sont pas comme nous, de la diversité naît. Ben, des nouvelles idées, de la qualité, de penser différemment, et donc probablement des choses soient plus innovantes, soient plus efficaces, etc. Donc il y a un lien scientifique qui a été montré et que je ne sais pas prouver moi, mais dans la vie de tous les jours, on le constate. À partir du moment où on pense différemment, on peut avoir l'impression que le process de décision est un petit peu plus long parce que forcément, on ne pense pas tous pareil au même moment, mais au contraire, il est bien plus riche et bien plus performant. Alors, rentabilité, c'est compliqué, mais performant, c'est sûr. C'est une question de Martin, effectivement. Merci pour cette question. Alors, on disait justement comment favoriser la présence des femmes au sein de l'IT. On va regarder un peu quels sont aussi les frais, les freins, les biais, mais avant tout, on va d'abord parler de justement le fait de pouvoir, on va dire, développer l'environnement, un environnement agréable, inclusif, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé actuellement, on le voit un peu partout, mais là, il est vraiment à sa place, inclusif, pour les femmes qui ont bien souvent l'impression que c'est un milieu exclusivement masculin. Comment on fait justement pour se battre contre ces éléments-là, ou quand je dis ces éléments, c'est peut-être ces représentations, et puis faire en sorte effectivement qu'aujourd'hui, même si c'est un milieu qui est plutôt masculin, faire en sorte qu'il soit plus agréable et plus accueillant pour les femmes. Bah, un des sujets que nous on a développé, hein, c'est vraiment d'avoir des ateliers d'écoute où on fait justement des points avec des gens qui souhaitent se joindre pour qui ont des origines diverses, des hommes, des femmes, et on écoute un peu leur retour sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et derrière, on essaye de assez concrètement avec des plans d'action d'adresser les points, les retours qu'ils peuvent nous faire. Donc ça c'est assez intéressant parce que déjà ça nous fait découvrir. Parce que parfois on a des biais, on a pas toujours le, enfin, on voit les choses forcément avec notre angle de vue, mais ça c'est important de pouvoir écouter. Donc on est écouté et derrière le traduire avec des actions très concrètes. Et ça, c'est souvent les gens qui sont à ces ateliers qui définissent eux-mêmes les actions pour les mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui est plutôt apprécié par les équipes. Donc un premier élément qui est l'écoute, déjà, pour arriver à faire remonter les éléments de compréhension. Est-ce qu'il y a aussi des éléments en termes de peut-être de prise de conscience, un peu dans le même sens que les ateliers, de prise de conscience de certaines choses, peut-être par rapport à tout ce qui est des comportements qui seraient inappropriés ou autres, c'est des choses qui sont montées ces dernières années aussi, qu'on a vu apparaître. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui vont dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Et ça, elles sont menées vraiment au niveau du groupe. Il y a eu beaucoup d'actions autour des comportements inappropriés. Au-delà des sanctions, il y a aussi de l'accompagnement, de la formation. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement inapproprié? Il y a eu un certain nombre de petits films, hein, qui ont été partagés, qui sont assez perturbants à regarder. Enfin, quand on les regarde, on se dit waouh. Et en fait, ça existe dans la vie de tous les jours. C'est pas du tout spécifique à l'informatique, hein. Attention, soyons très clair sur le sujet, mais c'est vrai que ça peut aussi potentiellement arriver dans l'informatique. Et c'est important pour les femmes de se dire que, ah ben oui, effectivement, ça peut arriver, mais il faut réagir. Et ces films et cet accompagnement montrent aussi comment réagir. Et puis pour les hommes aussi, parce que des fois, y a un effet boys band qui se crée et puis ça devient un peu normal. Et ben non, c'est évidemment pas normal et c'est important de le voir. Donc ça, c'est un sujet autour effectivement des comportements inappropriés, mais dans l'autre sens, il y a aussi tout le sujet sur les biais. Et pour le coup, les biais, c'est des problématiques féminines aussi, pas du tout que masculines. Et il est hyper important de se rendre compte de ces biais. Et là aussi, il y a des accompagnements qui sont faits au niveau du groupe avec des formations, des séquences
des conférences, hein, qui sont en, des téléconférences évidemment en ce moment, qui sont organisées et qui sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs. Et c'est très important ce sujet sur les biais. Et d'ailleurs, c'est bon, c'est sur les genres, mais c'est aussi sur la diversité plus largement. Donc, il y a une prise de conscience à avoir et que le groupe, enfin que les RH du groupe aident vraiment sur l'ensemble et qui permettent aussi de créer un environnement favorable. Alors justement, on va en parler des biais dans quelques instants. Deux choses. D'abord, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre et qui nous disent bonjour d'ailleurs dans le chat. Donc merci à vous, bienvenue. Nous sommes ici ensemble pendant une quarantaine de minutes. On parle souvent de la place et l'inclusion des femmes dans le rôle dans l'IT aujourd'hui, au sein notamment de Société Générale, avec des retours d'expérience très concrets d'Alain, Sylvie et Sofita. J'ai une question de Laurence. Laurence qui nous dit: à quoi ressemble un environnement favorable pour les femmes différent de celui des hommes? Point d'interrogation. Peut-être Sylvie ou Soïda, peut-être vous voulez répondre. Sophita, Sylvie, est-ce qu'une de vous répondre? Donc, d'un point de vue, un environnement, je pense qu'un environnement favorable pour les hommes par rapport pour les femmes par rapport aux hommes, c'est essentiellement, on va dire, autour des comportements inappropriés, très honnêtement, parce que c'est assez rare que des femmes fassent des remarques sur les tenues des hommes ou sur. Voilà, ça a pu ou ça peut encore arriver pour les femmes. Donc, pour moi, l'essentiel, il est là, il est effectivement autour de ces comportements inappropriés. Par contre, il y a des environnements qui sont favorables pour les hommes et pour les femmes. Par contre, les femmes peuvent être vues comme le déclencheur d'un certain nombre d'actions, et je vais en parler d'une ou deux derrière, mais fondamentalement, ça sert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et un exemple très concret, c'est les limitations des heures de réunion. Il est une réalité aujourd'hui opérationnelle que c'est souvent les femmes qui s'occupent de la maison le soir en rentrant, et c'est vrai, et des enfants, et c'est vrai que les réunions tard ou tôt le matin, ça peut être vraiment problématique parce que les femmes ne peuvent pas forcément être à ces réunions-là. Donc, limiter les plages horaires pour tenir les réunions, ça va aider et ça va rendre l'environnement favorable pour les femmes. Maintenant, ça va aussi le rendre très agréable pour les hommes. Donc, il n'y a pas non plus, c'est pas l'un contre l'autre, hein, c'est bien un truc qui sert à tout le monde. Donc, ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut avoir et qui montrent que c'est effectivement positif pour les deux. C'est pas, on n'est pas dans l'opposition. Je ne sais Moi, pas si Lucas veut compléter. Oui, vas-y, Alain. Alors. Non, moi, je suis assez d'accord avec Sylvie. Parce que je voyais certains commentaires. Nous, on n'oppose pas hommes et femmes. En fait, on crée un environnement où les femmes et les hommes vivent parfaitement leur activité professionnelle, dans la collaboration, dans des relations qui sont bonnes. Donc, l'objectif, ce n'est pas de créer un environnement favorable pour les femmes, c'est de créer un environnement où hommes et femmes cohabitent sans aucun frein, sans aucune contrainte pour l'ensemble. Et donc, on n'est pas dans cette opposition. On essaye simplement, peut-être parce que par le passé, comme tu l'as dit Damien au départ, l'IT a été un peu perçu parfois comme un environnement d'hommes. On essaye de corriger ça pour que ça soit un environnement où les hommes et les femmes se sentent bien. En fait, c'est ça notre enjeu. C'est C'est ça, pas plus effectivement. que ça, en fait. C'est juste ça. Oui, en réaction effectivement à quelques remarques qui sont faites dans le chat. Merci Jean-Louis pour ces remarques qui justement posent la question de la place dans la femme. On a l'impression que tout doit se tourner vers la femme et qu'il faut laisser entre les mains des femmes pour finir. Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous, les hommes, justement? Ben, la réponse, elle vient d'être donnée par Alain et Sylvie. La question est avant tout, effectivement, de développer un environnement plus favorable à la fois aux hommes et aux femmes dans des milieux qui étaient initialement plutôt masculins. Justement, ça pose la question des parcours et des biais, justement, dans les recrutements. Alain, comment est-ce qu'on se bat contre les biais et les points de blocage, notamment dans, on va dire, la représentation des femmes dans certaines strates managériales? Ouais, alors ça c'est un sujet sur lequel nous on est assez sensible et alors déjà enfin moi je vais le redire souvent dans cet échange, mais ça passe beaucoup par le dialogue et par l'information, c'est-à-dire il faut vraiment regarder s'il y a des endroits où il y a des situations qui ne nous conviennent pas et dialoguer, échanger, expliquer, et ça c'est vraiment très important avant de rentrer dans des contraintes ou des choses comme ça. Il y a déjà parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se règlent par le dialogue. Après, c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est que dans certains niveaux de management, il y avait un certain nombre de freins à la progression des femmes. Et donc ça,
ce qu'on essaye de faire, nous, c'est des choses assez simples. C'est premièrement, dans les processus, on met en place maintenant systématiquement ce qu'on appelle des fair process, c'est-à-dire qu'une évaluation de plusieurs candidats. Donc, on essaye toujours, même dans les endroits où il y a moins de femmes en nombre, toujours d'essayer d'avoir des femmes dans le fair process et aussi d'avoir des femmes dans les évaluateurs pour que là aussi l'analyse soit équilibrée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc nous, notre rôle de manager, c'est, parce que bien évidemment, on ne suit pas tous les recrutements, on ne suit pas tous les sujets d'évolution, c'est quand on voit un endroit où ces choses-là ne sont pas appliquées, ben c'est simplement de rétablir ça et de forcer un peu pour qu'on applique ces règles-là. Voilà. Qui sont des règles de bon sens, qui devraient être naturellement faites partout. Donc je dis, ça se passe bien dans 90% des cas, et quand ça ne se passe pas, ben on force un peu les choses pour que ça se passe. Et je pense que ça permet de progresser et d'avoir de plus en plus de femmes qui évoluent, qui ont des places importantes dans les organisations. Est-ce que c'est un moyen d'éviter ce qu'on pourrait appeler une sorte de reproduction sociale, c'est-à-dire en gros des mécaniques qui sont peut-être même liées à l'habitude et qui ne sont pas forcément volontairement, on va dire, méchants, je mettrais un terme des gros guillemets à cela, mais on va dire qu'ils n'ont pas une volonté de nuire, mais qui font qu'au final, on fait de la reproduction et on ne laisse pas sa place à d'autres personnes. Oui, c'est pour ça que Sylvie a beaucoup parlé des formations, par exemple, sur les biais, sur ces sujets-là. Hein. Je pense qu'on fait souvent des choses sans en avoir forcément conscience. Et par de la formation, nous, à titre d'exemple, on a formé tous nos managers sur ces sujets de biais. Je pense que ça aide à prendre conscience et à éviter parfois des petites dérives ou des comportements. Dans le recrutement, je pense que c'est très important. Alors justement, je vois une réaction sur LinkedIn, personne qui dit, lors de ma formation en Suisse, sur une promo de 60 personnes à la fin du cursus, il y avait une fille, on y viendra après avec Sofita qui nous fera son témoignage. Avez-vous des process ou des plans visant à attirer les femmes dans le monde de l'informatique? Vous êtes au bon endroit, parce que c'est exactement ce dont on est en train de parler. Il y a la question déjà de tout ce que vous êtes en train de parler en termes de process de recrutement, et puis on va en parler dans quelques instants, donc restez bien avec nous, qui est la question aussi du recrutement, comment faire en sorte d'attirer aussi des profils. Parce que c'est pas seulement aussi faire évoluer les profils en interne, mais c'est aussi recruter plus de profils féminins. On va en parler dans quelques instants. Une autre remarque de Yaël Jacquet qui nous dit « J'ai l'impression que malgré tous les efforts consentis, les chiffres parité homme-femme n'évoluent pas. Ne serait-ce pas un sujet sociétal et pas seulement celui de l'entreprise ?» Sylvie, là-dessus, sur ce point, et notamment, je me permets de raccrocher sur peut-être vous, votre expérience au sein de Société Générale. Est-ce que pour vous, c'est un sujet sociétal et pas celui de l'entreprise? Et puis, est-ce que vous considérez dans votre progression managériale avoir été peut-être chanceuse ou avoir mis peut-être tous les mécanismes qui allaient bien, de réseautage, de boîte à outils, pour faire en sorte de progresser? Les deux, en fait, c'est clairement une problématique sociétale et enfin, je pense que Sophia, elle peut vraiment nous en parler par rapport à ce qu'elle mène dans les écoles. Et c'est évident qu'il y a une dimension sociétale, on en reparlera après. Après, il faut effectivement, enfin, moi personnellement, pourquoi j'ai commencé là, ben, parce que j'ai fait une école d'ingénieur et que j'ai choisi de faire de l'informatique en école d'ingénieur. Pourquoi? Ben, parce que effectivement, à la maison, ça a toujours été naturel ce genre d'orientation et c'est, on revient sur le sujet sociétal. Donc clairement, pour moi, la dimension sociétale, elle est absolument clé. Maintenant, pour en revenir à concrètement, est-ce que j'ai été chanceuse? Oui, j'ai indiscutablement été chanceuse parce que pour le coup, je n'ai jamais, enfin, je suis rentrée à la Société Générale jeune débutante ingénieure et je n'ai jamais eu la moindre impression, la moindre situation compliquée à gérer. Mes congés maternité, ça s'est très bien passé. Enfin, voilà, et c'est sûr qu'il y a des endroits où il y a des managers hommes, hein, parce que là, pour le coup, les managers, c'était tous des hommes qui ont pas du tout qui n'avaient pas du tout ce type de réaction. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc oui, j'ai été chanceuse indiscutablement. Après, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je fais en tant que manager pour essayer de faciliter ça? Alors déjà, comme le disait Alain, les faire process, c'est absolument évident. Et se contraindre à avoir une candidate en plus d'un candidat, c'est parfois un peu compliqué, mais c'est, je pense, la bonne approche. Beaucoup plus opérationnellement, il y a deux trucs très basiques. Quand je prends un nouveau poste, je
un tout petit peu mon contexte personnel et donc je dis par exemple que moi venir le matin tôt c'est juste pas possible et que je n'organiserai pas de réunion après 18h sauf si la personne me dit qu'elle souhaite effectivement pour des raisons diverses et variées faire cette réunion après 18h. Ça permet de relaxer tout le monde et comme on le disait tout à l'heure, c'est pas que les femmes, du coup ça relaxe tout le monde, les hommes et les femmes. Et puis un autre exemple, c'est là pour le coup spécifiquement envers les femmes. Je prends toujours du temps pour écouter des jeunes collaboratrices ou des collaboratrices parce que ce sujet de biais, il est très important chez les femmes, le complexe d'imposture, etc. Et donc, il faut les écouter, il faut leur donner confiance. Et un mot gentil, quand une femme annonce qu'elle est enceinte, une collaboratrice annonce qu'elle est enceinte, c'est naturel, mais en plus, ça a un effet positif hyper important. Donc, Alors justement, c'est des Sylvie, petits j'ai une actes question pour les là-dessus. gens. J'ai une question là-dessus. Alors, je rassure Franck, hein, Sofita va parler dans quelques instants, je vous rassure. Tout va bien. Parce qu'elle va nous parler de son expérience justement comme ambassadrice et notamment par rapport au recrutement. Mais avant cela, si vous me permettez, d'abord, merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. On est beaucoup aujourd'hui. Merci de toutes vos réactions, de vos avis. On ne pourra pas tout prendre, mais on va faire vraiment en sorte de tout traiter dans tout ce que vous nous dites. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois une question notamment qui est tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit, Sylvie. C'est Claire qui nous le dit. Harcèlement sexuel, interruption de la parole plus fréquente en réunion, sentiment d'illégitimité, discrimination liée à la maternité ou à la possibilité de maternité, nous sommes même obligés aujourd'hui de secouer le cocotier pour espérer en récolter des fruits. Et je vais enchaîner sur une question de Saltana qui nous dit, question process de recrutement, quand un homme dit qu'il connaît un outil ou un langage de programmation, on lui fait tout de suite confiance, on le croit sur parole. À l'inverse, des femmes, on lui pose des tas de questions et elle doit prouver qu'elle maîtrise à 100% l'outil de langage. Pourquoi tant de doutes sur les compétences techniques des femmes? Alain, Sofita, Sylvie, qui a envie de répondre à cela? Non, mais, enfin, Sofita, peut-être tu veux dire un mot. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le process de recrutement, enfin, que les questions elles sont posées en fonction de la personne. C'est vraiment, on pose les mêmes questions, que ce soit un homme ou une femme. Enfin, moi, je n'ai pas eu ce cas-là, je n'ai pas eu ce doute-là dans mon cas-là. C'est vraiment des questions techniques qui sont posées parce qu'on postule pour ce poste-là. Il n'y a pas de. Et pas de convergence ou de enfin Oui, ou de doute sur les, de sur les, sur doute les, sur les, sur les sur une personne compétences. en fonction de la personne, non. Pour autant, Sylvie, vous pointiez un truc tout à l'heure, vous disiez, dans ce que vous disiez que des fois les femmes avaient besoin de plus prouver, peut-être aussi par un déficit de confiance personnelle. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui change ou comment arriver à se battre contre ça? Je sais, je ne sais pas si ça change déjà, premier point. Comment lutter contre ça? Quand on a la chance de pouvoir bénéficier des formations sur les biais, etc., on s'en rend compte et donc du coup derrière on gère. Quand on n'a pas la chance de bénéficier de ces formations, je ne sais pas comment on fait changer ça, mais c'est un fait. La femme a souvent besoin de plus prouver qu'elle sait. Maintenant, Saltana, si effectivement vous avez vécu ce genre de situation, je pense qu'il ne faut pas les bosser là. Hein. Je ne sais pas où c'est, mais. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Sylvie. Je pense, enfin, tous les commentaires que vous faites sur des situations que vous avez pu vivre qui sont de mon point de vue pas acceptables. On n'est pas là pour cacher la réalité et ce qui se passe. Maintenant, nous, on est, enfin, si on est autour de cette table, c'est qu'on essaye d'adresser le sujet, on essaye de l'adresser sérieusement. Quand il y a des comportements inappropriés, on les traite. On est, par exemple, j'ai entendu un point sur la. Souvent, les hommes coupaient la parole aux femmes et tout ça. Ben, on est très vigilant là-dessus. On essaye de laisser tout le monde s'exprimer. Et puis, je dirais, c'est pareil sur le point de. Aujourd'hui, il y a pas de femmes dans l'IT. Enfin, moi, je le dis, je gère aujourd'hui une DSI où Sylvie notamment contribue. On a 40% de femmes, donc c'est pas une fatalité. Je pense que par l'action, voilà, on fait changer les choses. Et je dis pas qu'il y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes à régler, mais on s'y attaque et on s'y attaque en essayant d'avoir des remèdes simples et de traiter à chaque fois qu'on a des situations aberrantes de les traiter. Et donc voilà, c'est un peu nos enjeux, hein. C'est un peu nos enjeux.
Alors justement, c'est la question du recrutement. Dans ce sens-là, une des actions que le groupe Société Générale met en œuvre, c'est tout ce qui est recrutement auprès des écoles et ambassadeurs, notamment des fonctions tech auprès de certaines écoles pour expliquer justement et notamment convaincre des jeunes filles qu'elles ont toute leur place au sein de l'IT. C'est notamment le rôle de Sofita. Sofita, vous êtes une des jeunes recrues du groupe et vous êtes aussi ambassadrice aussi au sein de certaines écoles. Peut-être Sylvie aussi nous partagera après son point de vue là-dessus. Mais justement, vous, en tant que on va dire jeune recruté, qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui comme frein à la mixité justement dans le recrutement de la femme? C'est ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup de stéréotypes et l'image de la femme, elle est vue autrement. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont plus destinés, enfin, qui sont plus destinés aux hommes qu'aux femmes. Et dans l'IT, si on fait un petit sondage aujourd'hui dans les écoles, à des élèves de primaire ou de collège, qu'on leur demande qu'est-ce que l'informatique, la plupart nous répondront l'informatique, c'est des ordinateurs et des jeux. Donc, pour eux, c'est uniquement les jeux. Et pour eux, les jeux, c'est un domaine geek. Bah, du coup, et le geek, pour eux, c'est un univers pour les hommes. Alors pour autant, Sofita, vous êtes venue comment justement à la tech? Pourtant, bah, moi, j'aime les jeux. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'IT. Mais du coup, c'est ça qu'il faut essayer de casser, de sensibiliser les jeunes dès qu'ils rentrent en primaire et au collège, de leur montrer que les femmes dans l'IT, ça existe. Et peut-être qu'après ça, bah, du coup, il y a des associations qui seront mises en place, comme Girls in AI ou Prologin. D'ailleurs, hier aussi, il y avait une intervention avec Prologin dans des écoles, dans des lycées, pour montrer que les femmes dans l'IT, ça existe. Donc, il y a des associations qui se mettent en place, mais peut-être que ces associations permettraient de voir de plus en plus de femmes dans les bancs à l'université ou à l'école. Parce que moi, par exemple, j'étais la seule fille à l'université, enfin... Peut-être que ça changera au cours des années. Justement, c'était un témoignage qui était donné tout à l'heure, une personne qui disait qu'elle faisait une formation en Suisse et que justement, elle avait une personne, sur une femme, pardon, sur l'ensemble de la promotion. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles en tant que femme dans le domaine de l'IT? Pas forcément spécifiquement Société Générale, mais en général. À part le fait que j'étais... une des seules filles dans ma formation informatique. Dans mon domaine professionnel, j'ai pas eu de soucis. Enfin, j'ai pas eu le sentiment que j'ai été vue autrement parce que je suis une femme. Je dis pas ça pour dire que le monde est rose, mais moi, dans mon cas-là, j'ai pas eu ça. Sylvie, au tout début de ce moment ensemble, cette conversation que nous avons aujourd'hui tous ensemble, nous trois, et puis toutes les personnes qui nous suivent sur LinkedIn, j'ai cité des engagements, des objectifs que se donnait la filière informatique de Société Générale. D'aucuns trouvent que, ou très souvent, traduisent objectifs chiffrés par quota. Je sais que c'est un sujet, et comme on est là pour tout se dire, je sais que c'est un sujet sur lequel, lorsqu'on a un peu travaillé, préparé cette émission, sur le sujet sur lequel vous avez évolué, il me semble, sur cette question justement de, on va dire, de présence chiffrée, de monde, de niveau, si je puis dire, de femmes, de représentation de femmes dans certaines fonctions. Tout à fait. J'ai l'habitude de dire que quand j'étais jeune, virulemment contre, et aujourd'hui, je suis virulemment pour. Et effectivement, j'imaginais que le fait d'être performant, le fait d'apporter de la valeur suffirait pour réussir à montrer que les femmes prendraient toute leur place, etc. Dans les faits, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que on a évoqué tout un tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais en tout cas les vraies raisons, les habitudes, la qualité, la quantité du vivier, etc. Et donc, si on ne se met pas un peu de quota, si on ne se contraint pas à se dire il faut augmenter le nombre de femmes, dans les faits, ça ne fait pas progresser le truc. Et le retard est tellement significatif qu'attendre l'évolution naturelle, alors on peut, mais ça va nous amener dans des dates qui sont quand même extrêmement lointaines. Les chiffres sont, enfin, ils sortent régulièrement dans l'ensemble des réseaux, ils sont quand même assez, assez lointains, voire après 2050, etc. Oui, donc c'est à la fois être volontaire, à la fois avoir une attitude volontariste et à la fois mettre en place les mécaniques, comme vous le décrivez depuis tout à l'heure, qui font en sorte que les choses vont petit à petit essayer de s'améliorer.
Exactement. En fait, il ne faut pas se satisfaire de l'intention. C'est absolument important d'avoir l'intention. C'est absolument important de donner du sens autour de ces quotas. Il ne s'agit pas juste de dire il faut 30% de femmes, ça ne suffit pas. Mais typiquement, Alain l'évoquait, il y a 40% de femmes dans la direction informatique dans laquelle nous travaillons tous les deux. Au niveau du comité de direction, il y a pas mal de femmes aussi. Enfin, la représentation est tout à fait cohérente. Mais en fait, dans les couches de management intermédiaire, là, il n'y a pas assez de femmes. Et donc, il faut travailler sur cette couche intermédiaire parce que sinon, le niveau du comité de direction va s'appauvrir avec le temps. On vieillit tous, on change aussi de fonction et donc du coup, il faut recréer du vivier. Donc oui, pour moi, c'est très important d'avoir ces quotas, mais les quotas, c'est pour donner une impulsion. Je crois qu'Alain l'a évoqué un peu tout à l'heure. L'idée, c'est de temps en temps de se donner des objectifs et ça secoue le cocotier pour reprendre le point qui était mentionné tout à l'heure. Alors, beaucoup de réactions toujours et de commentaires. Merci beaucoup. Continuez à nous faire remonter de ce que vous avez à dire. Allez-y, c'est ça qui est génial. Je vois une remarque de André qui nous dit: le monde de l'entreprise s'inspire beaucoup du monde du sport. Par analogie, que pensez-vous d'intégrer dans l'évaluation des managers un critère sur ce qui a été mis en place concrètement pour faire progresser les collaborateurs hommes ou femmes avec un suivi pluriannuel? Cela permettrait de limiter les biais et profiterait à l'entreprise en développant, révélant les potentiels sans distinguo de genre. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est mis en place, Alain, Sylvie? Bah, non, mais ce qu'on a dit, ce que disait Sylvie, c'est-à-dire que à partir du moment où on se donne des objectifs, bien évidemment, ce n'est pas des objectifs en l'air. Donc, il faut définir ces objectifs. Alors, Sylvie dit quota, mais quelque part, c'est voilà, on a une vision de ce qu'on veut faire. Parce que je rappelle de mon propos du départ, hein, c'est lié à la performance de l'organisation, à mieux servir nos métiers. Donc, toujours cette logique-là. Donc, on met en place ces objectifs et derrière, on fait un suivi. Et forcément, une part de l'assessment des managers qui sont aux commandes dans le recrutement, dans la promotion, il y a aussi un objectif sur ça. C'est logique. C'est toute l'organisation qui s'aligne vis-à-vis d'un objectif commun. Pour faire qu'on soit plus diverse et plus de mixité. Oui, je crois qu'on est très clair sur nos ambitions et nos objectifs. Et moi, je dis souvent, aujourd'hui, on a 40%, mais je ne vois pas pourquoi, dans un horizon assez court, on ne devrait pas atteindre la parité. Voilà, c'est Justement, un enjeu pour nous. c'est justement une remarque de Marion qui nous dit pourquoi 30% et pourquoi pas 50 ou 60% à l'instar de la représentation des femmes dans la banque. Ben voilà votre réponse, Marion. J'ai aussi deux C'est une autres. question de date. C'est une question de date, en fait, C'est une Damien. Là, question c'est de date, voilà. 2025. Voilà, là, c'est 2025. Voilà, 2025, c'est une question de date et d'évolution. Je vois aussi deux autres personnes, Bohoran et Mori, qui nous disent. Mixité, oui, mais il faut que dès le départ, les femmes osent s'orienter vers ces métiers, ou bien la faible représentation des femmes dans le domaine de l'IT est liée essentiellement au choix de formation. Alors justement, Exactement. on va justement tordre un peu le cou à cette phrase, parce que je sais que Sylvie et Alain, ils détestent ça. On dit aussi, ah ben, il y a que 20% de femmes en école d'ingénieur, donc c'est logique qu'à la sortie, on en retrouve à peine 20%. Comment aujourd'hui on apporte en plus une mécanique, même si c'est vrai qu'aujourd'hui les femmes sont peu représentées, mais ça augmente. Comment aussi on fait en sorte d'augmenter les profils en sortant peut-être des profils uniquement IT, en allant chercher ailleurs, en essayant d'ouvrir. C'est quoi les bonnes mécaniques que vous mettez en place aujourd'hui pour cela, Alain, Sylvie, par exemple, pour tout ça? Moi, un premier commentaire, c'est déjà dans une DSI, il y a bien évidemment beaucoup de gens tech, mais il n'y a pas que des gens tech. Donc voilà. Donc déjà sur les gens tech, certes, il y a dans les écoles d'ingénieurs un taux de femmes qui est plus faible que dans les écoles de commerce. Ceci dit, et Sopita en est un bon exemple, c'est-à-dire que pour autant, on peut trouver des femmes de talent qui ont envie de faire de l'IT, de la tech, et on en a plein chez nous, et on va continuer à en recruter. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui sont dans ce call, qui veulent nous rejoindre, à pas hésiter de soumettre leur candidature, parce que donc ça, c'est sur le sujet tech, on peut continuer à avoir plus de femmes dans la technologie. Et par ailleurs, dans une DSI, il y a plein d'autres métiers. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, nous notamment, on sert les fonctions de pilotage et de contrôle du groupe. Donc, par exemple, Sylvie sert les systèmes RH, on sert les systèmes finance. Et dans les métiers que l'on sert, en fait, il y a plein de femmes qui peuvent venir parce qu'elles arrivent avec une connaissance fonctionnelle, elles ont une connaissance du métier, elles viennent à l'IT, elles découvrent l'IT, petit à petit, elles s'approprient les sujets et après, elles font part intégrante de la DSI. Donc,
L'entrée dans une DSI comme les nôtres, ce n'est pas simplement un parcours tech. Ça peut aussi être des parcours qui viennent de sujets plus fonctionnels, d'écoles de commerce, et qui petit à petit ont un appétit pour l'IT, parce que quand on achète des logiciels, quand on n'a pas forcément besoin d'être que tech et de n'aimer que les sujets technologiques. Il y a plein de métiers diversifiés. Et derrière, il y a des passerelles. Et après, il y a aussi des gens, on a vu des cas de gens qu'on accompagne vers des sujets plus technologiques alors qu'ils sont partis au départ par une formation plus, on va dire, commerce, école de commerce. Donc, Justement, c'est alors cette diversité qui est intéressante, en fait. c'est exactement ce qui est en train d'être dit. Je vois Abdelmoula qui dit la reconversion est un bon moyen pour rattraper, oui, effectivement, ce qu'on appelle le reskilling, donc autrement dit, le fait on va dire, de modifier ses compétences, d'enrichir ses compétences pour se réorienter. Ça, c'est un premier point. Puis il y en a un deuxième, c'est Omar qui nous le dit, justement, pourquoi vous cherchez dans les écoles ingénieurs alors que les écoles de commerce forment des marketeurs digitales qui traitent le BI et l'AI? Ben oui, c'est exactement ce que vient de dire Alain, justement, cette volonté d'ouvrir aujourd'hui les profils et d'aller chercher des profils différents, mais qui peuvent tout à fait intégrer une IT, comme typiquement des écoles de commerce qui aujourd'hui proposent des formations technologiques. C'est tout à fait ce qui peut être le cas. Alors, donc aujourd'hui, il y a cette volonté-là. Il y a aussi la question de l'international, qui peut être aussi un moyen d'aller chercher des nouveaux profils. C'est une question d'ailleurs de Nélima, Nélima Augustin, qui nous disait: Bonjour à tous. Qu'en est-il des recrutements à l'international dans le secteur de l'IT? Quel profil en termes de parcours peut attirer l'ASG? Alors, nous, c'est des de plus en plus on s'ouvre à des écoles internationales, notamment dans l'IT. Donc des profils différents, c'est-à-dire d'écoles internationales, des profils universitaires, là aussi pour diversifier un peu nos sources de recrutement et pour créer cette mixité et cette diversité de parcours, hein, qui est le même enjeu. C'est des ouvertures qu'on a pris. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans certains pays, dans certaines écoles internationales, il y a plus de femmes, donc c'est aussi pour nous un moyen d'attirer des femmes. Donc c'est quelque chose qu'on regarde, on a un focus un peu particulier là-dessus chez nous en ce moment. J'en profite justement pour dire qu'il y a l'adresse qui déroulait il y a quelques instants sous l'écran, l'adresse du site careers.sociétégénérale.fr. Si vous désirez postuler, tout simplement, vous pouvez le faire à cette adresse-là. Vous trouverez toutes les différentes postes. Voilà, c'est en train de défiler à l'écran. Une remarque justement de Yaël qui nous dit: Les garçons ne sont pas meilleurs que les filles à l'école comme en entreprise, mais la société, parents, professeurs, employeurs, valorise souvent la parole et les actes des garçons. Ayons conscience de cela et valorisons les filles dès le plus jeune âge, par tous les moyens. Alors justement, on va en parler dans quelques instants avec Sylvie et Sofita, mais juste pour vous donner des éléments justement qui vont dans ce sens, Yaël, et qui permettent de donner des éléments chiffrés. Une étude récente d'Ipsos et d'Epitech montre que les parents sont la première source de confiance des jeunes dans l'orientation, et que c'est là que le bât blesse, puisque 33% des filles seulement sont encouragées par leurs parents à faire des études numérique, du domaine numérique, de l'informatique, contre 61% des garçons. Et on note aussi que 76% des lycéens considèrent que la profession d'expert informatique est un métier masculin, ce que disait tout à l'heure Sofita, c'est des métiers de geek, et que 87% des parents pensent que les femmes diplômées d'école informatique sont désavantagées par rapport aux hommes sur la question des salaires, d'évolution et d'embauche. Donc on voit aussi que les biais commencent très très fort et très très tôt, pas seulement dans la tête des jeunes, pas seulement chez les professeurs, mais aussi typiquement chez les parents et l'environnement qui nécessite justement de changer ça. Et donc justement, Sylvie, Sophita, vous qui êtes ambassadrice, vous qui êtes auprès de jeunes, qui allez les voir dans les écoles, etc., qui faites partie de différentes associations, comment intéresser justement les enfants du plus jeune âge, à partir de 11 ans, 12 ans, jusqu'à 16 ans, 18 ans et après, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce que vous poussez pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à tout ça? Il y a différents hackathons qui ont été mis en place. Donc, c'est des différents ateliers qui permettent aux jeunes aujourd'hui, enfin, que ce soit des filles ou des garçons, enfin, mais majoritairement, enfin, des associations qui sont destinées aux filles, mais qui les poussent à travers ces ateliers de comprendre ce que c'est l'IT et de voir que l'IT, ce n'est pas seulement que des jeux et que du code. Il y a plein de métiers derrière, il n'y a pas que la technique, il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour de la technologie. Sylvie, quand vous Ben, rencontrez ces jeunes filles, ça se passe comment?
Moi, je rencontre des jeunes filles dans le cadre d'une association qui s'appelle Capital Filles, mais malheureusement, entre guillemets, je ne rencontre aucune jeune fille qui va évoluer vers l'IT ou alors dans très très longtemps. C'est une association qui accompagne des élèves de terminale dans des quartiers plutôt défavorisés. Et donc, des jeunes filles, involontairement, c'est des marrainages, on va dire, avec des jeunes filles. Et ça fait des années que je fais ça et je n'ai jamais eu que des élèves en STMG. C'est super, la STMG, mais c'est très classé ou préjugé féminin, quoi. Et en STI 2D, je n'ai jamais vu de filles. Donc, de mon point de vue, il faut vraiment commencer avant le lycée. Parce que c'est quasiment déjà trop tard au lycée. Donc, effectivement, il y a pas mal d'associations qui fonctionnent. Yaël Jacquet de S, qu'on voit là, est entre autres fondatrice d'une start-up qui essaye d'accompagner les jeunes filles vers le codage et maintenant aussi les garçons. Et effectivement, les stages de troisième, pour moi, sont un bon levier. Il y a eu des moni des, pardon, des, on s'est motivé au sein de la Société Générale, d'abord entre collaborateurs et ensuite le groupe a trouvé la démarche très pertinente pour que ces stages de troisième montrent la qualité et la largeur des métiers de l'IT à des troisièmes des lycées qui sont des collèges qui sont autour des bâtiments du siège. Donc on parle de Nanterre, on parle des sous-bois, donc on ne parle pas de quartiers extrêmement favorisés et je pense que c'est hyper important. Et après, pour revenir sur le sujet des parents, pour moi, effectivement, le sujet principal aujourd'hui, c'est un sujet de convaincre les parents, les professeurs, et de casser les biais auprès de ses parents et de ses professeurs. Et mine de rien, faire ce type de manifestation, et ben, ça permet aussi, au sein, par exemple, de la Société Générale où cette manifestation a été reprise, ben, il y a sûrement tout un tas de gens qui ont vu la communication, qui sont des hommes et qui se sont dit, ah bah ben oui, tiens, c'est vrai, on peut faire aussi des filles dans l'IT. Donc, c'est au sens large. Et pour revenir sur le point tout à l'heure, c'est vraiment sociétal. On est vraiment sur un problématique sociétale et donc pas simple à adresser, mais chacun d'entre nous doit apporter sa contribution. Ouais, puis enfin, comme ça a été dit, je crois que c'est vraiment, il faut s'attaquer à tous les sujets. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a assez bien, je connais ce que fait Yaël, par exemple, c'est aller très tôt à l'école, former sur l'IT, c'est important, c'est une composante. Mais d'un autre côté, nous aussi, quand on recrute des femmes dans l'IT, quand ces femmes rentrent chez elles le soir et qu'elles parlent à leurs enfants, je pense qu'elles voient l'IT aussi avec un angle différent. Donc, c'est tous ces leviers-là. C'est-à-dire, si on veut vraiment faire que les choses changent en profondeur, il faut négliger aucun axe. Donc, nous, on contribue en recrutant des femmes dans l'IT, en leur donnant des parcours. Demain, elles seront des bonnes ambassadrices auprès de leurs enfants. Et par ailleurs, il y a un travail aussi à faire dans les écoles, sur le terrain, à tous les niveaux. Et je pense qu'on réussira à aller vers cette mixité, cette parité, si chacun s'y attaque et met son énergie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins, il ne faut pas les nier. Mais si on s'y met tous et qu'on attaque chacun nos sujets, eh ben, derrière, on ira vers un monde plus divers et ça sera mieux pour tout le monde. On vivra en harmonie. Alors justement, on est quasiment arrivé à la fin de cette conversation ensemble. On va tenir l'horaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Il y en a deux qui ont attiré mon regard. La première, c'est celle de Yannick qui nous dit l'IT est pluridisciplinaire et ne devrait pas se limiter à des profils techniques. L'orientation devrait être une affaire des parents d'abord. Ceci est plus culturel avant tout. Il faudrait encourager ces jeunes gens, autant du genre féminin, à continuer dans ce domaine, et cela n'est possible qu'en se donnant des objectifs fixés ou en fixant des objectifs sur un terme donné. Et puis notre remarque de Stéphane qui nous dit, ce qui changera, c'est ce type de conférence ou les tech stories que fait aussi Société Générale, donc en communiquant, 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 et en montrant aussi des profils, on va dire des personnes qui peuvent être des profils remarquables, des modèles à suivre, comme on dit, qui peuvent être intéressants, qui peuvent être inspirants pour des femmes aussi bien encore en train de faire leurs études que des femmes qui sont déjà en poste et qui ont envie d'évoluer ou qui ont envie d'être recrutées. Damien, si je peux me permettre, mais Bien aussi sûr, des Céline. hommes. Mais aussi Pardon? des hommes. En fait, les hommes voient aussi ça. Hein. Les Bien hommes, sûr. encore une fois, on n'est pas dans l'opposition. Et c'est aussi les papas et les parrains et les grands-pères, etc., qui vont aussi dire, mais tiens, pourquoi toi, ma fille, tu n'essayes pas aussi ça? Et je pense qu'il ne faut surtout pas négliger l'influence. Et les hommes, c'est des alliés. Il faut avoir des alliés masculins, sinon on n'y arrive pas.
Alors justement, et je me permets de signaler quelque chose, et je n'ai pas fait du tout de statistiques, hein, mais ce que j'ai vu aujourd'hui dans les commentaires, j'ai vu que c'est un profil très international qui était présent aujourd'hui dans les commentaires, et beaucoup d'hommes qui ont réagi aussi, et de manière, on va dire, très, très positive, avec beaucoup d'envie. Donc ça fait très plaisir aussi de voir que justement, c'est une affaire de tous, comme on vient de le dire il y a quelques instants. Voilà, on va arriver à la fin de cette émission, parce qu'on peut pas non plus, même si c'est un sujet qui pourrait durer des heures, on espère vous avoir donné un peu déjà des éléments concrets de ce qui se fait aujourd'hui au sein de Société Générale, mais aussi de vous montrer aussi des leviers et de se rendre compte aussi que ça commence au plus jeune âge, et puis que tout un chacun peut être un acteur, homme comme femme, peut être acteur justement de ce changement par des petites choses, mais qui permettent de faire avancer justement ce sujet de la présence des femmes dans le domaine des technologies, du numérique et particulièrement de l'IT. Si je résume ce que nous sommes dit et que je vous prends quelques éléments, alors ce que je vois, c'est dans les solutions concrètes, on a, et vous me direz, hein, Sophita, Sylvie, Alain, si vous voulez en rajouter, chercher donc à recruter dans un scope plus large, école de commerce, université, internationale, etc. Montrer que la culture est très favorable à la diversité. Former, sensibiliser, faire attention aux biais. Favoriser, encourager ce qu'on appelle le reskilling, donc quand on dit l'évolution de compétences. Financer des associations qui incitent ou sensibilisent à la diversité de genre. Avoir des personnes comme Sophita, comme Sylvie, qui sont prêtes à jouer, ou comme Alain, bien sûr, qui sont prêtes à jouer le jeu d'ambassadeur auprès de jeunes scolarités. Et puis aussi faire attention à la cooptation, parce que des fois, il peut y avoir des mécanismes quasiment invisibles de reproduction sociale. Est-ce que j'ai oublié des choses à mentionner? Non, non. Enfin, moi, le point, c'est que enfin, que tous les gens qui sont autour de Skoll, c'est, enfin, si vous trouvez ce qu'on a pu échanger ensemble comme l'approche qu'on a intéressante, c'est bah, venez nous rejoindre, c'est-à-dire homme ou femme qui est intéressé par cette aventure, venir à nous aider à faire évoluer cette grande cause importante. Bah, la meilleure façon, c'est de postuler. Et puis, si après avoir traversé le processus de recrutement, vous nous rejoignez, homme ou femme, et que vous êtes motivé par ces sujets-là, bah, ça sera super. Parce que c'est bien de parler, d'échanger, mais ce qui est quand même important, c'est l'action. Et tous les jours, avec Sylvie, Sophita et plein d'autres collaborateurs hommes et femmes du groupe Société Générale, on s'y attaque avec volonté et détermination. Voilà. Parfait, bah, écoutez très bien, je finirai, Yael qui nous dit, les pères des filles sont leurs premiers alliés. Oui, je suis papa de deux filles. Alors je suis bien placé pour savoir qu'effectivement, il faut arriver à pousser là-dedans, effectivement, les encourager. Bah, merci à vous qui avez été présents aujourd'hui, qui me dites que c'était un très bon thème que vous avez apprécié. Merci de votre présence. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui de l'autre côté de l'écran et de pouvoir échanger avec vous. Et puis, aussi, un plaisir de vous avoir, vous aujourd'hui, Sophita, Sylvie, Alain, à mes côtés pour pouvoir dialoguer sur ce sujet-là. Et si ce sujet vous a plu, ben peut-être qu'il y aura d'autres lives autour de cela et d'autres thèmes. Merci à vous et une très très belle journée. À très vite. Merci Merci à tous. Au beaucoup. revoir. Bonne journée à toutes et à Merci, bonne tous. journée. Au revoir. Au revoir. Se mobiliser. Réinventer. Continuer à avancer. Pour nos 339 000 clients professionnels et entreprises, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir. Société Générale.